Auteur d'un bilan parfait en carrière avec 29 victoires pour aucune défaite, Khabib Nurmagomedov ne craignait personne à l'UFC. Mais un sulfureux membre de la fédération de MMA a récemment prétendu le contraire, en affirmant qu'il était la raison pour laquelle Zegel n'était jamais monté en poids moyen. Il a beau être à la retraite depuis 2020 et s'être même éloigné du coaching entre-temps. L'héritage de Khabib Nurmagomedov continue de briller de mille feux à l'UFC. Tout comme la superstar du Daghestan par le passé, son ancien disciple Islam Makhachev y est ainsi le champion en titre des poids légers et va défendre sa ceinture pour la deuxième fois à l'UFC 294 face à Charles Oliveira. En cas de nouvelle victoire, le numéro 1 des poids légers pourrait viser plus haut et se battre contre des clients de la catégorie des welter, lui qui avait déjà lancé un défi à leur champion Léon Edwards en mars dernier. Colby Covington, qui va justement affronter le Britannique pour la ceinture à l'UFC 296, ne l'entend cependant pas de cette oreille et s'est permis d'atomiser Islam ainsi que son ancien entraîneur. Colby Covington, Islam Makhachev est un petit garçon qui se croit adulte, il fait tous ses wacks de cul juste pour éviter d'affronter des gars comme moi. Il essaie de profiter du succès de Khabib et de tout ce qu'il a pu accomplir. Mais il n'est pas Khabib. Ce n'est pas la même chose. Khabib avait peur de moi, il refusait de monter en poids welter à cause de moi. Donc même le papa d'Islam ne pense pas que ce soit une bonne idée de monter chez les welter. À l'instar de Conor McGregor ou encore Nat Diaz, le sulfureux américain n'est donc absolument pas fan du clan Khabib. Quant à ses affirmations sur The Eagle, pas sûr cependant qu'elles tiennent vraiment la route puisque Khabib n'était pas connu pour avoir peur de qui que ce soit. En plus de ça, Covington a perdu 2 de ses 4 derniers combats et pour les fans, il ne représente donc pas une grande menace. Colby Covington en est persuadé, Islam Makhachev ne sera jamais vraiment d'affronter un combattant welterweight parce qu'il sait qu'il n'aurait aucune chance. Et Khabib Nurmagomedov aurait donc pensé la même chose en son temps. Pas sûr que l'ancien champion des poids légers vienne confirmer cette théorie.